L'IRA a revendiqué l'attentat commis la nuit dernière à Brighton contre Margaret Thatcher. Le Premier ministre britannique n'a pas été touché, mais 4 personnes ont été tuées et une trentaine d'autres blessées. François Mitterrand au Pays Basque, le chef de l'État préconise la fermeté et dénonce la violence dans cette région. Le Conseil constitutionnel annule 2 dispositions de la loi sur les entreprises de presse. Il s'oppose notamment au démantèlement du groupe Hersan. Le sport français manque d'argent. Le Comité national olympique propose donc de remplir les caisses en créant un loto sportif. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le Premier ministre britannique, Madame Margaret Thatcher, a eu beaucoup de chance la nuit dernière à Brighton. Elle est sortie indemne d'un attentat qui a quand même fait 4 morts et une trentaine de blessés, dont le ministre de l'Industrie, Monsieur Norman Tebbit. Un attentat qui a été revendiqué tout à l'heure par l'IRA, l'armée républicaine irlandaise. Le gouvernement britannique et les responsables conservateurs étaient au complet dans cette cité balnéaire pour assister au congrès du Parti conservateur, un congrès qui se tient dans cette ville depuis 3 jours. C'est l'occasion que l'IRA a donc voulu mettre à profit pour frapper une nouvelle fois, profitant apparemment de l'insuffisance des mesures de sécurité. Philippe Arouard est à Brighton. La façade du Grand Hôtel à Brighton, telle qu'elle se présentait ce matin. 3 des 8 étages soufflés par la bombe qui a explosé à 3h10. Elle était placée à l'intérieur de l'hôtel. Madame Thatcher, qui se trouvait au premier étage, est sortie indemne et elle a été très chanceuse car les vitres de sa chambre ont volé en éclats tandis que sa salle de bain était presque détruite. Le ministre de l'Industrie, Norman Tebbit, que l'on voit ici, a été coincé pendant plusieurs heures avant d'être dégagé par les pompiers. Il est sérieusement blessé, ainsi que son épouse. Parmi la trentaine de blessés, plus ou moins gravement atteints, se trouvent des policiers chargés de la sécurité, des invités de la conférence et des officiels. Mais les autres ministres, tous présents à l'hôtel, ont pu quitter les lieux sains et saufs. Tout le monde était très choqué. C'est peut-être la première fois que c'est jamais arrivé dans une conférence politique en Angleterre. C'est quelque chose de vraiment incroyable, inoubliable. Et maintenant, il y a beaucoup de tristesse. Le problème est de savoir comment, avec les mesures de sécurité les plus strictes qui avaient été prises à Brighton, comment a-t-on pu poser une bombe dans un hôtel où se trouvait rassemblé le gouvernement de Madame Thatcher. L'enquête de la police ne sera pas aisée. Margaret Thatcher, au dire des témoins, s'est montrée très forte face à cet attentat dirigé avant tout contre elle. « Tout continue comme prévu », a-t-elle dit. « La conférence se poursuit normalement. » Donc, comme prévu, elle a prononcé son discours cet après-midi. À propos des événements de la nuit, elle a été brève mais ferme. « Cet attentat est dirigé contre le gouvernement de Sa Majesté, démocratiquement élu. » Les terroristes doivent savoir que toute atteinte visant à détruire la démocratie est vouée totalement à l'échec. Nous ne céderons pas. L'attentat de ce matin contre le gouvernement a jeté une immense émotion en Grande-Bretagne, émotion et colère. L'un des premiers à le condamner a été Neil Kinnock, le leader de l'opposition, qui a envoyé dès l'aube un message de sympathie à Madame Thatcher. Il ne fait aucun doute que ce nouvel acte de violence sera largement condamné par les Britanniques, comme ils le font à chaque fois. Ils auront plutôt tendance à se regrouper autour de leur leader, dont la popularité va connaître un regain. L'attentat de la nuit dernière vient grossir la liste déjà longue des opérations menées en Grande-Bretagne par l'IRA, des opérations qui visent depuis une dizaine d'années des personnalités ou des militaires britanniques. Le plus connu de ces attentats, c'est celui qui a coûté la vie à Lord Mountbatten au mois d'août 1979. C'est effectivement l'attentat le plus spectaculaire. Il remonte à l'été 79. Les terroristes de l'IRA frappent le petit-fils de la reine Victoria, Lord Mountbatten, grand-oncle de la reine. Avec la famille royale, c'est la nation tout entière qui est choquée, car Mountbatten est aussi un héros national. En 10 ans, l'IRA va frapper sur tous les fronts, en Irlande du Nord, en Angleterre. Tous les corps de l'État sont touchés, avec une prédilection pour l'armée. Ici, en 1982, 2 bombes à Hyde Park et Regent's Park frappent des régiments royaux, il y a 11 morts. En 10 ans, les attentats font 90 morts civiles. À partir de 1974, année d'intensification de sa lutte armée, l'IRA s'en prend à tout le monde. 1974, c'est l'année noire, 40 morts. Attentat à la Tour de Londres, 1 mort, 41 blessés.
Bombes dans les pubs, surtout à Birmingham. 28 morts, 291 blessés. Bombes dans les grands magasins et aussi chez l'ancien Premier ministre Edward Heath. L'IRA, après une période d'accalmie où elle ne s'en prend qu'aux objectifs militaires, semble reprendre l'an dernier sa campagne contre les civils avec la bombe chez Harrods le samedi précédant Noël, alors que le magasin est bondé. Bilan, 6 morts, une centaine de blessés. D'autres bombes sont désamorcées le même jour dans d'autres magasins à Londres. En France, François Mitterrand est arrivé cet après-midi au Pays Basque français. Une étape difficile pour le chef de l'État puisqu'elle intervient alors que la tension demeure très vive dans la région après l'extradition des militants de l'ETA réclamés par Madrid. Auparavant, le chef de l'État s'était arrêté un moment à Pau où il avait pu s'entretenir avec les dirigeants du groupe Elf Aquitaine. Pourtant, c'est bien l'étape basquaise qui était la plus attendue puisque le président de la République devait tenir à Bayonne un discours très important. Monsieur Mitterrand y a préconisé la fermeté et dénoncé la violence des extrémistes. Le reportage de notre envoyé spécial. Climat de tension à Bayonne pour l'étape en Pays Basque de François Mitterrand. Circonstances difficiles deux semaines après les extraditions de Basques espagnols. Raison de plus pour que j'y vienne, affirmait d'emblée le chef de l'État. Il est allé saluer la foule où se mélangeaient sifflets et applaudissements. Ici, en Pays Basque français, François Mitterrand a voulu en même temps faire preuve d'ouverture à l'identité régionale et de fermeté à l'égard de toute violence. Tout ce qui peut contribuer à la préservation, à la sauvegarde de ce quelque chose de vivant, comme un organisme vivant, qui est une langue ou qui est une culture, doit être protégé, soutenu, aider, et s'il le faut, développer. Mais à ceux qui en France parlent d'autonomie basque, je dis non, a poursuivi François Mitterrand, comme il dit non aux militants espagnols qui se servent de la France comme base de combat. Je n'ai pas à condamner. J'ai simplement à faire respecter les lois de la France sur le territoire français et à ne pas accepter que de violence en violence, de part et d'autre, ce pays-là, où je suis en cet instant, ne connaissent plus que le trouble, l'incertitude et la mort. Le crime, la mort, là encore, je dis non. Et les forces françaises de sécurité ont reçu les instructions pour qu'aucune faiblesse ne soit supportée. On me dit extradition, c'est un manquement au droit d'asile. Non, encore. Le droit d'asile, c'est un contrat. Et si nul ne songerait à leur demander de renoncer à leurs idées, à leurs amitiés, à leur idéal, d'une certaine façon, dirais-je, à leur lutte. Ce n'est pas acceptable que la France ne soit qu'une base logistique pour que soit accompli dans un pays voisin et ami, respectable dans sa reconquête de la démocratie, que le crime puisse avoir la France pour complice. Tout à l'heure, au moment du départ du président de la République, commençait dans les rues de Bayonne une manifestation contre les extraditions. Effectivement, le voyage de François Mitterrand au Pays Basque n'a pas été de tout repos puisque plusieurs organisations avaient appelé à manifester contre la venue du chef de l'État. Parmi elles, les sympathisants des mouvements autonomistes. Patrice Pollet. La visite du président de la République à peine terminée, à 18h, plusieurs centaines de manifestants, des indépendantistes basques d'Eritaldeak et d'Iparretarac, se rassemblaient. Immédiatement, la manifestation prenait corps. École basque, oui. Extradition, non. Les réfugiés basques espagnols au Pays basque français, scandaient les manifestants. Rapidement, les forces de l'ordre cernaient le quartier. Déjà, dès l'arrivée du président, en fin d'après-midi, ces mêmes indépendantistes avaient accueilli le cortège officiel au cri de « Vive le Pays basque libre ». Les forces de l'ordre arrêtaient les militants. Deux autres manifestations se sont aussi déroulées cet après-midi.
celle des commerçants qui se sont plaints dans leur slogan d'une saison touristique médiocre due aux événements dans la région, et celle de la CGT et de la CFDT avec des revendications sans rapport avec le problème basque. En marge de cette visite au Pays Basque, il faut noter une petite phrase très politique du chef de l'État. Alors qu'il était à Pau, M. Mitterrand a rendu hommage à l'action tout à la fois des gouvernements de Pierre Mauroy et de Laurent Fabius, une action dont il a précisé qu'elle était l'expression de sa propre volonté politique. Politique toujours avec la décision du Conseil constitutionnel qui vient de se prononcer sur la loi consacrée aux entreprises de presse. Le Conseil a annulé deux dispositions essentielles de cette loi. La première touchait aux concentrations et la seconde aux sanctions à prendre en cas d'infraction. Cela posé, l'esprit de la loi n'a pas été modifié. Le détail avec Pierre Alain. Les principes de la loi ne sont pas remis en cause. La transparence financière des entreprises de presse, qui publie quoi? Désormais, les lecteurs sauront qui sont le ou les véritables propriétaires de leur journal. Les concentrations ou regroupements de titres sous la coupe d'un même homme ou d'une même société seront à l'avenir limitées dans les conditions prévues. En revanche, aucune loi n'étant rétroactive, cette disposition ne s'applique pas aux concentrations déjà existantes comme le voulait le projet de loi. Autrement dit, le groupe Hersant, qui possède une quarantaine de quotidiens ou périodiques, ne sera pas démantelé, mais son empire aura du mal à s'agrandir. De plus, à l'avenir également, chaque quotidien devra avoir une rédaction spécifique, ce qui évitera la confusion qui peut exister actuellement entre deux titres différents et un contenu identique. Enfin, le Conseil constitutionnel a retiré à la commission de contrôle, une sorte de haute autorité de la presse écrite, tout pouvoir de sanction en cas d'infraction. Ce sont les tribunaux qui jugeront. Un jugement de compromis donc de la part du Conseil constitutionnel qui suscite des réactions contradictoires bien sûr selon qu'il s'agit du gouvernement ou de l'opposition. Écoutez les réactions de Georges Filliou et de Charles Pasqua. Sur tous les points essentiels que nous avions soulevés, le Conseil constitutionnel nous a suivis. C'est un très grave échec pour le gouvernement et cela devrait normalement entraîner, s'il avait un peu de conscience, le départ de M. Filliou, qui a fourvoyé le président de la République et le gouvernement auquel il appartient, dans une voie sans issue. Et il est vrai que le Conseil constitutionnel n'a pas retenu deux modalités d'application de la loi qui sont des modalités importantes, mais ce qui me paraît beaucoup plus important, c'est que le Conseil constitutionnel valide les principes qui inspirent cette loi. Principe de transparence et limitation des concentrations abusives dans la presse. Et d'autre part, en matière d'excès de concentration, disons de monopole, de trust, désormais, plus aucun journal ne pourra être acheté si cette transaction a pour effet de renforcer un monopole existant. D'autres réactions beaucoup plus vives, celle-là à propos de ce que l'on appelle maintenant l'affaire du droit de réplique. Il s'agit du temps d'antenne accordé par la haute autorité à la majorité comme à l'opposition pour répondre à l'intervention mensuelle que M. Fabius fera sur TF1 juste après le journal de 20h. Réaction donc très vive du RPR qui dénonce le déséquilibre de l'information. Les communistes de leur côté dénoncent une lamentable opération politicienne qui les force à choisir de se prononcer dans un temps d'antenne de la majorité ou dans celui de l'opposition. Enfin, dernière réaction, toujours aussi vigoureuse, celle de M. Le Pen, qui est exclu du droit de réplique. M. Le Pen estime que par sa décision, la haute autorité démontre sa soumission au système privilégié de la bande des quatre. Voilà ce que l'on pouvait dire ce soir sur cette affaire qui, rapprochée des autres informations politiques de la journée, montre à quel point il est difficile de s'y retrouver actuellement dans le débat politique français. Albert Duroy. Le débat provoqué par la tribune régulière offerte à Laurent Fabius sur TF1 est l'un de ces événements qui donnent l'impression qu'actuellement la vie politique n'a plus ni queue ni tête, ni logique, ni cohérence. Dans quel cadre le Parti communiste pourra-t-il répondre au Premier ministre? Dans le temps de parole de la majorité, mais cela ne lui convient pas. Dans celui de l'opposition, mais cela veut dire qu'il y a désormais deux oppositions, et même trois, puisqu'il faut y ajouter le Front National, qui a rassemblé autant de suffrages que le Parti communiste aux élections européennes, mais qui, n'ayant pas de groupe parlementaire, n'a pas accès à ce droit de réponse. Autre exemple, le voyage du président de la République en Aquitaine. Des électeurs de gauche, militants du PC, de la CGT, de la FEN, des autonomistes basques, manifestent contre le chef de l'État
alors même que les élus de droite l'accueillent plus que courtoisement avec amabilité. Cela signifie-t-il que les déçus du socialisme sont désormais plus virulents que les opposants traditionnels? Prenons maintenant le discours du président à Pau, dans lequel il rend le même hommage à Pierre Mauroy et à Laurent Fabius. Cela veut-il dire qu'il refuse toujours d'admettre qu'il y a eu, de l'un à l'autre, un changement de politique? Mais alors, où est le changement? Bref, entre gauche et droite, majorité et opposition, ancien et nouveau gouvernement, on ne s'y retrouve plus très bien. Les cartes sont brouillées. Mais approche le moment, les élections législatives, où chacun devra les abattre sur la table, dire s'il est pour ou contre, et surtout ce qu'il propose. C'est à ce moment-là seulement qu'on verra si l'embrouillamini actuel n'est qu'un écran de fumée ou s'il y a une vraie modification des clivages politiques traditionnels. Opération Ville Morte dans la petite ville de Lannion, dans les Côtes-du-Nord. Les habitants voulaient manifester leur colère et leur inquiétude dans une région consacrée à l'électronique. Et cela au moment où ce secteur connaît de très grosses difficultés, notamment en Bretagne. Martine Gilson. Ils étaient entre 6 et 8 000, presque la moitié de la ville, à défiler aujourd'hui dans les rues de Lannion. Un seul mot d'ordre pour ces manifestants, réunis à l'appel de tous les syndicats, non. Aux 1100 licenciements prévus d'ici la fin 85 chez CIT Alcatel et chez Thomson, entre autres. Des suppressions d'emplois inquiétantes puisqu'elles touchent un secteur de pointe, le téléphone, dans une région tout entière reconvertie dans cette seule industrie. Une journée réussie pour les syndicats, d'autant qu'ils avaient à leur côté les politiques, toutes tendances confondues, du maire RPR de la ville au député socialiste, en passant par le conseiller général communiste. Voici 25 jours que notre ami Jacques Abouchard est prisonnier des autorités soviéto-afghanes après sa capture le 17 septembre dernier, alors qu'il était en reportage dans ce pays. Vous savez qu'hier, les autorités afghanes ont annoncé que notre confrère serait jugé par un tribunal révolutionnaire. Une information immédiatement reprise par Moscou. Moscou qui s'en prend d'ailleurs aujourd'hui à Laurent Fabius. Le Kremlin le fait à travers l'agence TASS, en reprochant notamment à M. Fabius de s'être associé à la campagne en faveur de la libération de Jacques. M. Fabius qui avait dit devant l'Assemblée nationale qu'il serait inadmissible que les négociations engagées n'aboutissent pas à la libération de Jacques Abouchard. Il faut à cet égard remarquer le ton très dur employé par l'agence officielle soviétique. Par ailleurs, le maire de Moscou est actuellement à Paris. Il était reçu cet après-midi par Jacques Chirac dans le cadre des relations entre les deux villes. Nous avons voulu savoir quelle était sa position sur l'affaire Abouchard. Embarrassé, le maire de Moscou a repris les explications de son gouvernement, mais il a tenu à être apaisant. D'autant plus que cela ne relève de mes compétences. Moi, je suis maire de Moscou et ceci est l'affaire des autorités afghanes. Pensez-vous qu'il sera libéré prochainement? Avez-vous ce sentiment? Тем не менее, есть ли у вас такое мнение, что он может быть скоро освобожден? Да, наверное. Я не могу определенно сказать. Но думаю, что так будет. Sans dire rien de précis, je crois que c'est probable. J'ai tenu à lui dire que la situation qui était faite à un journaliste français, avec, je veux dire, une responsabilité évidente de l'Union soviétique, était à nos yeux tout à fait inacceptable et contraire aux exigences les plus élémentaires de la liberté d'expression et de la liberté de la presse. Et que par conséquent, je considérais qu'il serait un geste apprécié de l'opinion publique française que M. Abouchard soit libéré dans les meilleurs délais possibles. Le pape Jean-Paul II vient d'effectuer une visite de 24 heures à Saint-Domingue. Il célébrait le 500e anniversaire de l'évangélisation de l'Amérique latine. Il avait fait auparavant une brève escale en Espagne. En Amérique latine, il développe un thème d'actualité, ce que l'on appelle la théologie de la pauvreté. Françoise Champet. Ce cinquième voyage en Amérique latine a été d'abord pour Jean-Paul II l'occasion d'une mise au point. Pas question de tourner le dos à une église des pauvres, directement préoccupée par les inégalités flagrantes de l'Amérique latine, mais pas question non plus de confondre ce que Jean-Paul II appelle « libération sociale » avec la lutte des classes. Un message avant tout adressé aux églises tentées par les théologies dites de « libération », comme au Nicaragua surtout, et aussi au Brésil. En clair, c'est un christianisme trop teinté de marxisme qu'a récusé Jean-Paul II. « La pauvreté n'est pas une classe », a affirmé le souverain pontife.
Il faut parvenir à la libération sociale sans que l'homme ne tombe sous des systèmes qui le privent de sa liberté et le soumettent à des programmes athées. Le sport français est pauvre. Ce n'est pas une surprise. L'argent manque en France pour développer les disciplines sportives qui permettent à un pays de participer véritablement au concert des nations. C'est en tout cas ce que pense le président du Comité national olympique français, M. Nelson Payou. M. Payou, qui fait ce soir une proposition très surprenante, ou du moins très inattendue, il propose la création d'un loto sportif, une sorte de concours de pronostics englobant plusieurs disciplines et dont les rapports permettraient de remplir les caisses. Écoutez ses explications. Le sport français cherche de l'argent. Le budget du ministère de la Jeunesse et des Sports est en régression, moins 3%. Les dirigeants sportifs s'accrochent au concours de pronostics pour enflouer les caisses. Pour le sport français, il faut avoir à faire appel au crédit extra-budgétaire. Alors, est-ce que ça sera sur le modèle italien, Toto Calcio? Alors, parmi les propositions que nous avions faites, nous n'avons pas fait une proposition type Toto Calcio italien. Il s'agirait d'un loto sportif concernant tous les sports. On parierait sur le football, bien sûr, mais aussi sur la Formule 1, la finale de Roland-Garros ou le tournoi des 15 nations. Ce loto sportif aurait 20 tirages par an et rapporterait 600 millions de francs au sport français. Le gouvernement reste très discret sur ce projet. Une loi de 1891 interdit tout pari, seul le PMU y échappe. Alors, vous ne pensez pas que ça va faire concurrence au pari de course de chevaux? Écoutez, toutes les expériences faites à ce sujet sont là pour prouver le contraire. Le tac au tac n'a pas créé une concurrence pour le loto. Seuls deux pays en Europe ne font pas de paris sur le sport, l'Albanie et la France. Côté sportif, ce projet est très bien accueilli. De ce que nous avons actuellement sur le plan du budget, sur le plan d'autres ressources, les concours de pronostics pourront apporter un plus important à l'ensemble du sport, qu'il soit de haut niveau ou de la base. L'argent qui serait récolté à travers ce concours serait distribué à toutes les fédérations sportives. Et je pense qu'il n'y a que le football qui se peut prêter, qui peut être le support de ce genre de pronostics. C'est donc tout le sport français qui bénéficierait du concours de pronostics. Les détracteurs pourront toujours opposer le vieux slogan « sport et argent » ne font pas bon ménage, des mots d'ordre bien dépassés. C'est demain à 15h30 que les footballeurs français entament les éliminatoires de la Coupe du Monde de 1986. Pour leur première rencontre, ils seront face aux Luxembourgeois avec une consigne, essayer de prendre de l'avance dès ce premier match en jouant bien, vite et fort. Henri Elie. Ils sont là, ils sont tous là, ceux de l'époque euphorique du championnat d'Europe, ceux des Jeux Olympiques de Los Angeles, tous des vainqueurs. Pas ou très peu de vacances pour eux, puisque championnat de France et Coupe d'Europe des clubs ont vite repris le chemin des stades. Alors les professionnels, fatigués? A priori, nous avions quelques doutes sur leur forme en général, mais maintenant, à l'usage, depuis deux jours, nous apercevons que la petite trêve là, depuis le dernier championnat leur a permis de bien récupérer. Alors il n'y a pas de petits pépins en ce moment parmi certains joueurs? Parmi ceux-là, des petits pépins, mais minimes, puisque vous les voyez tous sur le terrain. Fatigue ou non, cela ne les empêche pas de s'entraîner, attentifs aux conseils prodigués. C'est sous le regard amusé des colliers, surtout sous les yeux du désormais successeur de Michel Hidalgo, Henri Michel, qu'inlassablement ils ont répété leur combinaison pour vaincre. On a beaucoup de doutes, bien sûr. On a toujours peur de rater un match, et surtout un match comme celui-là, où a priori le rapport de force en présence est un peu disproportionné. C'est justement là où il faut être le plus attentif. Mais disons qu'à l'heure actuelle, on a aucune raison de douter. Au contraire. À l'image de Michel Platini, le capitaine marquant une pause dans le championnat italien qui vient de rejoindre l'équipe de France. Les jeux semblent être faits face au Luxembourg, certes sur la défensive, mais qui n'a rien à perdre. La méfiance est donc de rigueur. C'est toujours difficile de jouer une première rencontre de Coupe du Monde. Il faut toujours savoir la négocier. Tout le monde s'attend à ce que la France fasse une belle prestation et marque beaucoup de buts. Je crois maintenant il faut se rendre à l'évidence qu'il n'y a pas de petites équipes. C'est vrai qu'il n'y a plus de petites équipes à ce niveau. Reste que la France part logiquement favorite, sans s'attendre à une cascade de buts de sa part, comme le club de l'Ajax d'Amsterdam qui, l'autre jour, en a marqué 14. Oui, 14, et ce face à Diverdange, une équipe du Luxembourg. On a rendu public ce matin la composition de l'équipe de France, vous la découvrez sur votre écran. À noter la première sélection en équipe nationale du jeune Nantais Michel Bibard.
Un match qui sera retransmis sur Antenne 2 demain après-midi à 15h30. Ce sera l'occasion pour vous de découvrir notre nouveau tandem de choc, puisque ce match sera commenté par Michel Drucker, qui revient ainsi à ses premières amours, et par Roger Piantoni, qui sait ce que le football veut dire. D'ailleurs, demain, le ballon rond sera à l'honneur sur notre chaîne, puisque vous pourrez suivre la première émission consacrée au football sous toutes ses dimensions. Une émission préparée et présentée par Michel Platini et Bernard Père. Son titre numéro 10, c'est demain samedi à Michel 14h30. Platini fait sa rentrée télévisée aux côtés de Bernard Père, à la fois comme commentateur et acteur du football européen. Bonjour et bienvenue pour la première fois sur le plateau de numéro 10. Ça se dit comment ça en italien? Ciao. Et on arrive à Juventus Milan. Alors là, il y a un tir de... Qui vous savez, comme ils disent sur les émissions. Dans le vert, là. Dans le vert. Voilà. Si on était Vérone, premier, 8 points, 7 points. Désormais, vous aurez chaque samedi le point sur les différents championnats européens, du Portugal à la France, en passant par l'Espagne, l'Italie, l'Angleterre et l'Allemagne de l'Ouest. Ainsi que des reportages, des enquêtes sur la vie du football international. Grand rendez-vous donc chaque samedi pour tous les amoureux du ballon rond. Et dans l'immédiat, les pronostics de Pierre Edbrest pour le tiercé de demain à Auteuil. Le 7, le 3, le 8, le 11, vous devriez voir tout ça sur votre écran, non? Alors 7, 3, 8, 11, voilà, 5, 6, 13 et 4. Une drôle d'image maintenant et surtout un drôle d'engin. On pourrait appeler cela un parachute à moteur, car il y a un parachute et des moteurs, et tout cela vole plutôt bien, si bien même que des fous volants ont traversé la Manche hier sur cet engin bizarre. Thierry Calmette. Il tient dans un coffre de voiture. Oui, voilà, deux moteurs de tondeuse à gazon, deux hélices, 400 cm3. Une joyeuse équipe de copains a tenté et réussi la traversée de la Manche. Avec ça, un parachute à moteur. Décollage d'Angleterre vers 16h. 10 minutes après, le pilote, Gérard Felzer, se sent inquiet au milieu de la Manche. Pourquoi tu trouves le temps long? Mais un hélicoptère et deux avions accompagnateurs communiquent au parachutiste à moteur son cap, la direction du vent, et veillent à sa sécurité. Une heure après, arrivé sur les côtes de France, au cap Griné, tentative réussie. Dans la vie, Gérard Felzer pilote un Boeing 747. L'atterrissage à côté du phare change durement ses habitudes. Il est vrai que le parachute à moteur n'est pas un engin pour record. Ça veut dire que l'engin n'est pas prévu pour ça d'abord. C'est vraiment un engin de loisir qui fait pour tourner autour de son jardin. On le sort de la voiture et puis on part avec. Mais c'est tout. C'est pas fait pour des grandes traversées. Des sensations fortes comme à la belle époque de l'aviation. Oui, un dernier mot de sport pour vous dire que le coureur cycliste irlandais Sean Kelly a été convaincu de dopage lors de la course Paris-Bruxelles disputée le 19 septembre dernier et dont il avait pris la troisième place. Selon les règlements internationaux, Kelly se trouve disqualifié de la course, donc il est aussi frappé d'une suspension de 2 mois avec sursis et d'une amende de 1 000 francs suisses. La météo maintenant avec Brigitte Simonetta. Oui, et avec un anticyclone à double tranchant. D'un côté, il nous offre le soleil, vous pouvez profiter de cette fin de semaine et aller vous promener. D'un autre côté, il se manifeste par des brouillards très épais, très denses et donc dangereux pour les automobilistes. Regardez la photo satellite, on les aperçoit très bien. On s'aperçoit aussi qu'à 13h30, heure de cette photo, il ne s'était pas dissipé sur le nord et sur le sud-ouest du pays. Et demain, nous aurons à faire face à tout ceci. Nous les retrouvons d'ailleurs sur notre carte. Donc, brouillard le matin qui risque de ne pas se dissiper l'après-midi midi au nord de la Seine, sur les côtes de la Manche et la Bretagne. Mais dans l'ensemble, c'est du beau temps, un beau temps doux, malgré une légère baisse des températures, de 14 à 17 sur la moitié nord, de 16 à 23 sur la moitié sud. Demain, samedi 13 octobre, le soleil se lèvera à 7h07, se couchera à 19h05. Nous fêterons les Giraudes, c'est valable aussi pour les Géraldes. C'est Jacques Séguy qui vous présentera le tout dernier journal aux environs de 22h50. Demain, vous retrouverez Daniel Bilalian à 12h45. Et n'oubliez pas vos rendez-vous avec le football, 14h15, numéro 10, et 15h30, la rencontre France-Luxembourg. Bonsoir, à demain 20h.
We'll be right back.